Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour la partie 7 de Star Fox Adventures. Et on est déjà rendu à 73%, ce qui est incroyable. Au bout de 9h30 de jeu, quoi. On va dire que ça peut aller. En même temps, dernièrement, j'ai quand même bien joué, faut l'avouer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait précédemment? Bah, on a sauvé déjà le père de Chucky. Après, on a... Bon, on a fait pas mal de choses, en fait. On a sauvé aussi un Krazoa. Enfin, finalement, c'était une extension, hein, la partie 6. Hein. Ça va peut-être pas être la même chose pour la partie 7. Ouais. La carte du monde de Pepi. Alors, ils disent d'aller dans le palais Krazoa. Ouais, c'est pour déposer le Krazoa, oui, c'est vrai. Nous n'avons pas fait ça. Enfin, je pense, oui, puisque Fox McCloud a les yeux violets. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on aille déposer le Krazoa qu'on a libéré si facilement, avec une épreuve extrêmement simple. Une simplicité à toute épreuve. Alors, la montagne de glace Krazoa. Voilà. Je vais baisser mon son. Donc voilà, on va aller direct au palais Krazoa dans cette partie. Ça commence bien. Bon, il va pas se passer grand chose. Hein. Peut-être une autre petite cutscene avec Crystal, on n'en sait rien. Ça m'étonnerait. Donc voilà, il nous téléporte direct ici. Ce qui est parfait. Avec un ennemi juste à notre droite. C'est encore plus parfait. Ah bah non, il y en a carrément deux maintenant. Je crois qu'il n'y en avait qu'un avant. Mais... Ouais. Il y a des ennemis qui se ramènent, hein, parce qu'on sait qu'on vient... Ils savent que l'on vient assez fréquemment, hein, au palais Krazoa. Donc ils veulent faire le comité d'accueil. Attention aux tentacules de ce truc. On va péter ça. Et on peut pas poser ici. Parce que le problème, par contre, je trouve, c'est que il nous montre pas trop quand on a déjà déposé les Krazoa. Vous avez vu, il y a pas trop eu de changement. La statue est restée la même. Enfin, la statue là. Ah, vous savez, la tête du Krazoa en pierre. Alors, est-ce que là il y a du vent? Bah, non, il y a toujours pas de vent ici. Donc, c'est forcément pas là. Ça commence déjà bien. Hein. Avec le petit détour. C'est pas grave parce que j'ai une skill de fou et je suis sûr que. À chaque épreuve, je vais réussir. Je vais juste être un peu perdu comme là, des fois. Juste un peu. Ça se trouve, c'est un Krazoa qui est tout là-haut. Parce qu'il y en a deux là-haut. Purée. On peut pas monter d'ici. Ok, il s'est gamellé. C'était magnifique. Nous avons vu une magnifique gamelle de notre cher ennemi. Sharkclaw. Ah, il fait jamais beau ici. On peut toujours dire bonjour à Crystal, lui tirer dessus si on veut. Bon, bien sûr, ça passe au travers. C'est. Et on peut pas le déposer ici. Donc, c'est forcément de l'autre côté ou encore un autre endroit, je sais pas. Non, c'est toujours pas là. Ah bah non, il y a pas de tête en fait. On peut savoir quand on a déposé le Krazoa. J'ai rien dit en fait. On peut savoir si on l'a déposé ici ou pas. J'avais plus que la tête en fait, elle apparaissait en fait quand on mettait le Krazoa. Le petit détail. Bien sûr, j'ai failli faire le plongeon à la Tomb Raider. Et...
Bon, là on est déjà allé, donc faut peut-être aller un peu en dessous, à l'étage inférieur, pour pouvoir déposer le crasoir. Enfin, si c'est là, hein, bien sûr. Je suis tellement paumé là. Ça commence très bien cette partie 7. Mais bon, on est à 73%. Donc voilà. Sinon, je dirais. Je pense qu'en ce moment, bah, je ferai pas beaucoup de. Ah bah tiens, c'est bon. Je pense qu'en ce moment, je ferai pas beaucoup de let's play, bien sûr. Les let's play de Mario et Luigi, par exemple, je pense qu'ils vont être beaucoup retardés. Ça va être même peut-être finalement l'année prochaine, j'en sais rien. Parce que déjà, après ce Star Fox Adventures, il y aura bien sûr la continuité de let's play Rayman 1. Enfin, j'essaierai en tout cas, je sais pas. Il n'y en a pas beaucoup qui regarderaient Rayman 1, mais c'est pas grave. Et sinon, pour la surprise, là, le défi hein, sur le jeu de PS3, le fameux jeu de PS3, bien sûr, là, avec Firefly, on a tout fini. Donc, je pense que ça sera aussi, bah, ça sera en même temps que Rayman 1, sans doute, voilà. En même temps que le Let's Play Rayman 1. Et peut-être que, je sais pas, peut-être que je le mettrai, enfin non, je préfère plutôt le mettre après Star Fox Adventure. C'est toujours mieux de le mettre après le Let's Play, sinon on s'en mêle les pinceaux. Hein. Three spellstones down and only one to go. You seem to be getting the hang of this. Now then, it's time for you and Tricky to go to Dragon Rock. Your toughest challenge yet. That's easy for you to say, but where do I find the gatekeeper? He is closer than you realize. He who has no voice has plenty to say. Celui qui n'a pas de voix a toujours beaucoup à pas dire. Tout à fait normal. Ah oui, ça fait un moment qu'il cache ce qu'il a à dire. Donc voilà. Cette phrase est tellement... tellement, comment dire... philosophique. Bon, faut faire quoi en fait? Faut aller dans le truc... Ok, y'a rien. Salut Fox, un Eternal n'a jamais eu le temps de te parler. Il ne faisait que marmonner, peut-être que tu devrais... Ah, je me souviens de ça. Je me souviens de ça. On lui a pas parlé dans le let's play, mais je me souviens de ce dinosaure qui marmonnait. Ah, non, c'est pas ce Tantile là. Ça doit être un autre Tantile. Celui qui marmonne, je sais pas, ça doit être celui-là, je sais pas. On ne peut pas laisser Scales s'en tirer comme ça. Voilà, c'est tellement intéressant ce qu'ils disent. Mais bon, on va finir par mettre la main dessus. Hein. Le prince Tricky qui aurait pensé ça. Bon bah y a pas. C'est pas du tout le Tantile qui est dans le trou par exemple, hein, comme on a vu dans la première partie, je crois. Parce que lui il est très bavard. The Warpstone said I should find you. I haven't spoken since something terrible happened. Something that I am ashamed to admit. I too attempted to save our planet, but I failed. Tell me, what happened? I led a group of dinosaurs against General Scales. He learned of our plan before we could act, and launched a full-scale offensive against us. We never stood a chance. He imprisoned three of my closest friends on Dragon Rock, and it is also where he has taken the Spellstone. So how did you survive? If Scales let you go, it could only be because... I am the gatekeeper. Thank you.
The gateway to Dragon Rock is now open. Please help my friends. They are on your side. Voilà où nous l'avons trouvé assez facilement finalement. Enfin en même temps il n'y a pas beaucoup de turn tile. Il doit y en avoir 8, un truc comme ça. À tout casser. Ah, il y avait une espèce de message, il y avait marqué 15. Mince, j'aurais dû lire, si ça se trouve on n'a pas assez de boules de carburant. Vichtre. Je pense que c'est ça en plus. Mais bon, j'en avais 14, hein, si je me souviens bien. On va quand même essayer d'y aller. Ah, on peut pas y aller. Bon, bah, on va revenir. Mais comment? On est carrément obligé de... On est carrément obligé de revenir ici. Bon, bah, ouais. Vous avez pas de bol, hein, vous allez revoir cette séquence. La séquence culte du jeu. Un peu raté, mais c'est pas. Alors, on va détruire les mines, comme d'hab. Alors, bah, on va faire Y pour aller plus vite. Hein. Vous voyez, qu'est-ce que je disais? Oui, ça sera en fait le défi là, sur le jeu de PS3 que je vous ai dit. Hein. Je ne dis pas le nom bien sûr parce que c'est une surprise. C'est un jeu de psychopathe, hein. C'est un jeu monumental. C'est une bombe. Non, non, je vais dire la vérité, c'est une petite bouse. Voilà. C'est comme ça que vous n'allez pas regarder la vidéo. Bon, c'est une petite bouse, mais bon, c'est marrant. Faire un jeu pas terrible. On va pas faire des let's play que de superbes jeux, hein, je pense. Même si ça serait quand même probablement plus souvent ça. Let's play Rayman 1, let's play des Mario et Luigi, let's play Star Fox Adventures, let's play Beyond Good and Evil. Voilà, pour l'instant c'est que des jeux cultes. Mais oui, bien sûr, j'ai aussi une idée pour un projet, en tout cas, pour faire un let's play sur... Et ça sera un let's play découverte en plus, sur une bouse, sur PS2. Et bon, ça sera bien plus tard, je pense. Si ça se trouve, ça sera l'année prochaine. On sait jamais. Voilà, c'est... Voilà, c'est quelques petites idées qui me viennent comme ça. Et sinon, pour le défi, ouais, c'est un semi-let's play, en fait. C'est un semi-let's play, mais si on commence pas dès le départ, on commence pas au début du jeu. Ouais. Bon, là, tout est fait, tous les montages, tout est fait sur ce défi let's play, hein, si on peut dire. D'accord, donc en fait, je comprends pas trop en fait. Si, il fallait pourtant aller dans le prochain donjon, le prochain temple. Parce qu'attendez, il y a combien de pierres? Oui, on a déjà les trois, il n'en reste plus qu'une, donc oui, le dernier temple, le dernier donjon. Mais, il m'a indiqué un message là, que j'ai appuyé. Vous avez besoin de 15 boules de carburant pour atteindre le rocher du dragon. Rob vous les a parachutés, mais elles se sont dispersées. Cherchez-les et ramenez-les à l'Airwing. Ok. Je suis à 14, donc j'en ai pas assez. Ou si ça se trouve, on peut en acheter, hein, je sais plus. Je crois qu'il nous en vend, hein, le vendeur. Mais après, c'est pas une certitude. Alors, les boules de carburant... Il manquait plus que ça, quoi. Manque de boules de carburant. C'est magnifique. Bon, au moins, vous allez pouvoir apercevoir que... on peut être quelquefois un peu gêné, hein, dans le jeu. Par ce genre de choses. Pas assez de boules de carburant, hein. Rupture de stock. Bon, si ça se trouve, le vendeur, il en vend, hein, donc... pas de panique. Surtout pas de panique. Le vendeur est là. Le vendeur sournois. Le magasin Tantile. Déjà quelque chose de très important, on va déjà gagner un peu de fric.
un peu de scarabée. Ah non, non, dans ce passage secret, bien sûr, comme d'hab, hein, vous savez. Et voilà, quelques scarabées, ça fait toujours plaisir. Il y en a un dernier. Et il y en a encore un autre. Qui s'enfuit, le bougre. Mais je sais pas où il est. Et je crois qu'il a disparu, en fait. Au bout d'un moment, c'est disparu. Donc un boule de carburant, je sais pas combien ça fait. Ça doit être peut-être là-dedans. Non, ça m'étonnerait. Oula. Je sais pas pourquoi, mais je crois qu'il vend des boules de carburant. Lui. Je suis pas sûr, mais... C'est pas une certitude. Ça se trouve, on fait tout ce chemin pour rien, là. Mais... Mais bon, vu que le magasin est juste à côté, voilà. Ah bah oui, boule de carburant. Alors c'est à combien? Et là, 100 scarabées. Ah non, 10. Non, 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 5, ça vaut son prix là. Mais y va là, mais qu'est-ce qu'il y a là? Bon bah 6. C'est pas possible. Radin va. 7. Mais y va là. Non, j'ai... Allez, on arrête de faire n'importe quoi. J'adore faire ça. Énerver le vendeur. 9. On va chipoter un peu. Ah. Il comprend. Il se dit que, ouais, il vaut mieux faire. Vaut mieux qu'il dépense juste 9 scarabées parce que. Il a une grande aventure devant lui. Ou alors c'est peut-être parce qu'il a déjà volé le truc. Le fruit de doré, vous savez, qu'on a donné au. Au Snowhorn. Gris, ou plutôt bleuté, et qu'il se disait que déjà il s'est fait pas mal de pognon grâce à ça, en le volant et en le vendant à Fox. C'est un brigand, hein, ce vendeur. C'est un enfoiré. Et bon, ça sera dans Star Fox Adventures 2. On verra Fox qui arrêtera le vendeur. Ça sera pas maintenant, un jeu qui a été commencé en 2014, qui va peut-être sortir dans les courants 2020-2025. On ne sait pas, ça va être un jeu de psychopathe. Ah là, un Star Fox Adventures 2, ça serait énorme. Alors, le général Scales a déchaîné les énergies obscures de la planète, provoquant ainsi l'anéantissement du rocher et du dragon. Il a capturé des dinosaures et a l'intention de les transformer en puissantes machines de guerre à tuer. Cette dernière pierre magique sauvera Dinosaur Planet. Ok, terminé. 10 anneaux d'or. Et je crois qu'on n'a pas le droit à l'erreur, donc faut pas faire le con. Hein. Faut que j'ai ma skill habituelle, c'est-à-dire incroyable skill de fou. Voilà. Je me souviens, en plus, il n'est pas si simple que ça. On va dans des endroits assez exigus. Encore là, ça va, c'est tranquille. Bon, je me fais pas mal toucher comme un noob. Faut faire gaffe aux trucs qui ferment. Bon, l'anneau juste à droite, on s'en fout. Ah, un anneau d'or. Voilà, parce que les anneaux argentés, ça sert juste à restaurer de la vie. Et on en a pas besoin pour finir le niveau. J'en fous un peu. Bon, là, je suis en train de gérer là. Ouais, finalement, c'était pas si dur que ça. Ah, quoique. J'ai rien dit, il en reste encore deux. Et celui-là se barre vers la gauche. Bon, allez, on balance la bombe. Parce que j'en ai plusieurs. Ouais, il n'y avait pas le droit à l'erreur, hein, vous avez vu. Il en restait vraiment plus qu'un à la fin. Voilà, 10 anneaux d'or, c'est parfait. Et voilà, le dernier donjon. Un donjon de grand psychopathe qui va faire toute la vidéo. Je vous le dis direct. Hein. C'est un donjon de fou. C'est... Pour un dernier donjon, il a de la gueule. Donc alors... Bah déjà là on est lâché comme ça, c'est un peu comme le donjon juste d'avant, il est assez vaste, hein, très grand.
En plus de ça, bien sûr, il y a pas mal d'ennemis. Et ça va pas être si simple que ça, avec aussi l'histoire des bombes. Alors là, ça sera plus tard, on pourra appeler un Earthworker. Je crois que c'est le père de Tricky. On va déjà monter par là. Faire gaffe aux flammes. Bien sûr, qui dit dernier donjon, dit feu, hein. Lave, feu, bien sûr, comme d'hab. Le thème du feu. Je sais plus, mais je me souvenais qu'il avait aussi une bonne bande son. Hein. Un bon thème, hein, ce dernier donjon. Ah oui, là, c'est encore une histoire de bombe. Hein. Bien sûr, il n'y a pas de bombe. Faut la chercher. Ah bah, il est juste là. Et voilà, ça va être très souvent, ça va être ça, ce donjon, ça va être des épreuves avec les bombes. C'est le donjon à bombes. Hein. Je pense que je vais l'appeler comme ça. Le temple de la bombe. Ah, c'est, il est vraiment relou, ce donjon. Mais il est bien. Il est relou, mais il est bien. Ah, et mince, il faut mettre en marche le truc. Monter, déjà. Très important. Et anticiper, et donc se mettre sur l'interrupteur pour que les flammes ne crachent plus. Pour que la bombe puisse passer aisément. Vite, sprint. Ah, donc vous avez compris, c'est souvent, ça va être souvent des épreuves comme ça, avec des flammes, pour faire gaffe à ne pas faire exploser la bombe. Là. Et ça, c'est... Là encore, ça va, hein. Là, c'est facile. Mais après, ça va être lourd. Surtout que là, je me suis déjà fait toucher, c'est magnifique. Voilà, attention aux flammes. Mais il fait vraiment penser au premier donjon aussi, parce qu'il y a beaucoup de pièges avec les flammes. Des pièges enflammés. Ah, mais non, c'est pas le père de Tricky. Je suis bête. C'est juste un Earthworker comme ça, qui se balade dans la prairie, voilà, sur le cratère électrique, là. Avec la grosse machine électrique au milieu. Le générateur ultime. Qui sert à construire des robots. Non, je rigole, je sais pas. Donc, allez, on va trouver le Earthworker. Qui est, je sais pas où. On va contourner la place. Et après, faudra détruire les trucs verts que vous voyez là. Bon, ouais, quelques petits souvenirs, attention. Oui, je sens que on va utiliser la one-up. Hein. Parce qu'avec tous ces ennemis là qui nous tirent dessus et tout, enfin, c'est vraiment le donjon de fou. Hein. Alors, où est l'Earthworker? C'est la question. Ah, il est là-bas. Là, on commence à se perdre un peu, hein, dans un endroit aussi vaste. You have done well to find me, but there are others. Yeah, I know. Your Thorntail friend told me all about it. I'm pleased to hear of his safety, but the High Top is not so fortunate. Together, we can free him. Oh, I'm not paid enough for this. Okay, what do we do? The High Top will be an easy target for the patrolling robots. With their shields, they are unstoppable. However, each one has a shield generator hidden somewhere nearby. If we can destroy these, the robots will be defenseless. So what do you expect me to use? This? Of course not. This. Now get on my back. Let's do some damage. Yeah, allez, let's go. Donc alors, on va faire quelques dommages, comme l'a dit si bien notre Earthworker. On va endommager la base. Ce qui est fou, c'est que cette base me fait penser à la base de Far Cry 1, à la fin. Quand on est à la fin du jeu, oui, on est aussi dans un cratère. C'est un peu différent, mais bon. Là, on parle quand même d'un jeu... Merde, on fait défoncer. C'est pas possible.
Non, je crois que ceux-là, il faut d'abord les battre de loin. Ça, c'est pas possible, là, je me fais incendier, là. Purée, mais... Faut s'enfuir, comme un lâche. Déjà, on va détruire ceux-là, je sais pas si on peut les tuer. Mais d'accord, on peut même pas les tuer. Il est pas si efficace que ça. Hein. Est-ce qu'on peut... Ah non, on peut pas utiliser les boules de feu. La Gatling Fire, purée. Voilà, je sais pas si je sprint ça va marcher, je sais pas. Bon, on va vite fait détruire ça. Parce qu'on est des fous. Ah non, en fait, ça enlève la protection de ses ennemis. Enfin, je crois. Et donc, on pourra les tuer avec le bâton. Magnifique roulade. On pourra le tuer avec le bâton magique, la Gatling Fire. Et là, on y va. On se fait toucher, comme d'hab. Allez, crève. Voilà. Ah, le coup de la Gatling Fire dans la gueule, ça marche toujours. Non, par contre, je me suis pas mal... J'ai perdu pas mal d'endurance. En tout cas pour le Earthwalker. Pas tip top. Okay, c'est quoi ça? Okay, je sais plus ce que ça fait, mais c'est un peu de la merde. Un ennemi inutile. Là, il y a un rocher, il y a peut-être des... Peut-être des scarabées, non, même pas. Il est un peu trop gros pour transporter des scarabées. Comment je lisais cela, ouais. Avec le souffle glacier. Le souffle de glace. La Gatling glaciale. Mais où est l'autre ennemi que j'ai libéré? Enfin, allez, où j'ai enlevé son bouclier, voilà. Ici. Il s'enfuit, le bougre. Ah, il est mort. En fait, faut tous les tuer pour déverrouiller un certain truc. Je sais pas ce que c'est après. Pour pouvoir continuer. Bon, il veut pas s'ouvrir. Je me souviens de ces plantes, c'est des ennemis très chelous. Hein. Jamais compris à quoi ils servent. Alors, où est... Le dernier... la dernière fissure qu'il faut casser. Je pense que c'est ici, hein, par ici. Par là, non, même pas. Okay, on trouve pas la dernière fissure. Elle doit être pas loin du robot, normalement, mais... Ça, ça doit être derrière, là-bas. Je tâtonne. Bon. On va aller là-bas déjà. Putain, il vise quand même bien hein, ce truc. Espèce de machine. Let's do some damage. Ok, ici on faisait des dégâts, c'est... Il a vraiment changé son dialogue. Hein. Le dialogue n'est vraiment pas le même. Donc alors, ouais, il me reste presque plus de vie, c'est super. On peut détruire les champignons, je sais pas. Le problème c'est qu'il y avait un emplacement là pour se déposer avec le Earthwalker, mais je ne le trouve plus. Bon déjà faut que je trouve déjà le dernier truc à casser. La dernière fissure. Mais où est la dernière fissure? Avec cette musique épique. Non, je trouve vraiment pas la dernière fissure, je suis un peu paumé. Non, il va me tuer. Je réfléchis, c'est pour ça qu'il y a un gros blanc. Voilà, là c'est une fissure que j'ai pété encore. Mais où est la dernière fissure? Il faut trouver la dernière fissure. Avant que le Earthwalker soit trop fatigué.
parce qu'à force de courir. Hein. Peut-être par là, je sais pas moi. Bah, déjà, c'est bien, on peut détruire les plantes. Je pense que c'est tout, à part les fissures aussi. On peut pas détruire grand chose, on peut même pas tuer des champignons donc. Pas tuer ses ennemis bas de gamme. Ouais. Bah j'ai tout fait. Alors on va tuer ce truc. Je sais pas. Alors il y en a un caché là-bas. Comme un gros fourbe ici? Non mais pas. Ouais, là je réfléchis. Hein. Est-ce qu'on peut faire Z? Non, on peut pas faire la vue à la première personne. Non, mais normalement c'est pas loin du robot, mais je le trouve pas. De peur aussi qu'il me tue. Je peux toucher mon vaisseau si je veux, hein. Bien sûr, il est indestructible. En même temps, c'est le vaisseau de Fox, c'est pas rien. On peut pas faire grand chose avec cette bosse. Il y a même pas de fissure. Je comprends pas trop. Et je me suis fait toucher au travers, c'était magnifique. Bug. Attends, c'est peut-être marqué sur la map, hein, je sais pas. Bon, par là il y a un chemin. Ça se trouve c'est par là. Hein. Ça m'étonnerait. Et on peut pas ouvrir la porte. Hein. Là-bas c'est l'emplacement du Earthwalker. Beaucoup de recherches. Hein. Ah non, mais là. Là, je suis paumé. Où est le dernier truc comme ça, quoi. Normalement, il est là. Ouais, il est caché. Non, bah non. Vous voulez pas que je revienne, sinon je me fais toucher. Non, je ne m'en souviens plus. Ah, attendez, est-ce que ils sont marqués d'une façon assez Ah, c'est une espèce de c'est un cercle marron sur la carte. Enfin, je me référence à la carte hein, parce qu'il y a que ça à faire. Donc là. Lui pourtant il a pas de truc à péter. Hein. Non, il n'y a pas de fissure. La fissure était ici. Bon je vais quand même chercher tous ces trucs là, je sais pas. Ah bah ok. Ok. Ah là je suis. Ah non mais il y a des fois faut vraiment que je me réveille. Alors on va redéposer gentiment notre petite monture. Voilà, super salto. Et j'arrive pas à viser. Gatling Fire, vise mieux. Mais c'est quand que tu crèves. Il est immortel celui-là. Je sens que c'est le boss des c'est le boss des robots. J'ai utilisé la moitié de ma mana quand même. C'est assez incroyable. Okay, alors bah on va utiliser le Earthwalker pour aller plus vite. Hein, je sais pas. Je crois qu'il y avait un emplacement pas loin en face. Ouais, c'est toujours plus rapide d'aller avec le Earthwalker. Un moyen de transport très pratique. Hein. Et donc en fait oui dans cette
Dans ce donjon, en fait, on va rencontrer, je pense, la plupart des différentes espèces, différentes tribus, qui vont nous aider, je pense. Ça va être ça, en fait. Parce qu'on va aussi rencontrer plus tard, après le piaf, là, le pérodactyle, le Cloud Runner. Un Cloud Runner qui va nous aider avec une phase sensationnelle que mon père n'avait jamais réussi et que moi j'ai réussi du premier coup. Ça, c'est incroyable. Non, pas non plus du premier coup, mais bon. Ok, je me suis planté. Ok, il est énervé. J'ai du mal. Ah, purée, ça a déjà repopé. Ah, c'est bon. On va avoir une phase avec lui aussi. I guess we're ready to go. Go where? We're crossing the plain, and you're going to have to protect me. Are you ready? Let's go! Let's go! Là, on se demande pourquoi il y a des espèces de vaisseaux spatiaux qui foncent vers nous. Et on doit les détruire, vite! Avant qu'ils aillent sur nous. Et qu'ils touchent le magnifique dinosaure. Le dinosaure herbivore. Je ne sais plus le nom de ces dinosaures, mais je m'en fous. Et donc là, on est avec la Gatling Fire, on n'est jamais à court de mana dans cette phase. Donc ça, c'est good. Parce que là, je serais déjà à court de mana, hein, bien sûr, hein, sinon en temps réel. Déjà que je vise très mal. La scène avec le pérodactyle est bien plus dure, hein. Là, c'est facile. Tous ces déchets qui vont vers nous, ces espèces de vaisseaux spatiaux, c'est parce que c'est avec une musique culte. Ah mais dans ce donjon il va y avoir que des événements cultes avec beaucoup d'actions, beaucoup de défis. Et bien sûr, c'est le donjon le plus long. Enfin, si on galère bien. Mais je pense que là où je mettrais le plus de temps, finalement, c'était le donjon quand j'étais au Cloud Runner, là, le temple Cloud Runner. Je pense que c'était surtout là. Parce que j'étais paumé comme un con. C'était assez monumental. Ça aurait pu faire pareil là avec la fissure. Non, vous voyez, au dernier moment, quand tout semblait perdu. Enfin, ça faisait sans doute peut-être. Attends, il est. Ah purée, j'ai regardé le temps et en même temps je me suis déconcentré. Ça commence à être un peu plus chaud. Un peu plus ardu. Ça devient ma boule. Voilà, c'est bon. Donc oui, nous sommes à 39 minutes. Et. Mais c'est bordélique. Que c'est bordélique. Attends, j'espère qu'on est bientôt à la fin. Allez, c'est bon. That's what I was looking for. It's up to you guys now. You'll figure it out. Mais bien sûr que je vais y arriver. C'est pas pour rien que j'ai fait ce let's play. Ouais. On va pas combattre ses ennemis puisqu'ils sont un peu relous. Oui. C'est des gros niveau puissance, c'est un truc de fou. Je vous touche une fois, on perd un cœur, quoi. Ah mais on doit les tuer. D'accord, on doit les tuer. Ah, ils sont tellement beaux. Ah, c'est
C'est Fireflav quand il est en Super Saiyan, ça. Ouais, on va encore cracher. La glace, c'est good. Bon, tiens, je vais faire à celui-là aussi. Car moi, j'aime bien tous les tuer. Impunément. Diaboliquement. Je sais même pas si ça existe. Et voilà. Alors voilà, vous avez entendu un pérodactyle en colère là qui veut se barrer. Qui a dit oh, aidez-moi à sortir d'ici. Au secours. Ok. Ouais, bah ça, ce sera pour plus tard. Donc j'ai perdu un champignon pour rien. Aïe, là. Ah, c'est la fameuse phase méga relou. Mon dieu, cette phase. Phase de psychopathe, hein, avec la bombe. C'est la phase où tu pètes un câble. Parce qu'en plus de ça, il y a le vent. Voilà, magnifique. Ah, et en plus de ça, ah oui, je me souviens même plus de ça. Il y a en plus des jets de flammes. C'est magnifique, hein. Déjà que de base, j'arrive presque pas à envoyer une bombe. Voilà, de l'autre côté, avec le vent là. Donc en plus, il y a. S'il y a des jets de flammes, là on va pas dire qu'on est en forme quoi. Bon, déjà il nous laisse une one-up, hein, bien sûr. La bombe est en bas, c'est super. J'ai fait tout ça pour rien. Descendons. Et ok, ça fait bouger le truc. Mais c'est pour que je le. Ma grande question c'est. Où est-ce que je pose ma bombe? C'est où qui prend ma bombe en fait? Ah, c'est ici! Faut que je la laisse là. Je comprends pas le délire. En fait, je crois qu'il fallait juste que je balance la bombe. Que la bombe se matérialise. Que le truc revienne. Il est paumé là-haut. Que le truc revienne, voilà. Aïe, et que Sleepy reste ici. Je sais pas ce qu'il fait, Sleepy. Tricky, je veux dire, purée. Tricky, Sleepy, purée, c'est pareil. Hein. Alors, où est le machin? Ah, le machin est là. Le transporteur de bombes. Bah, on enlève les flammes, purée, il va vite. Il va vite. Ah, il va vite, ce chenapan. Il va à la vitesse de l'éclair là. Bon bah au moins on a le truc mana là. Bah faut que je me mette au milieu. Faut que je me mette au milieu. Sachant que ça dure vraiment 2 secondes je crois. Si on tire dessus les jets de flammes ah bah. L'interrupteur est activé pendant pas trop longtemps. Et voilà, j'ai réussi hein, bien sûr avec brio comme d'hab. En même temps là c'était assez simple, le plus dur c'est les ventilos, mon dieu, les ventilos. Surtout qu'à chaque fois que si on perd, et ben on... Ok, je comprends pas trop le délire. Qu'est-ce qu'il a foutu là, ce Tricky là? Pourquoi il s'est barré? Ouais, je sais pas pourquoi il s'était barré hein. Ah, c'est à partir de là, il se barre. Ok. Quand on est sans doute un peu trop loin, là, dans son diamètre, là, et ben. Genre, je sais pas, il a un diamètre de 30 mètres, je sais pas, Sleepy, Tricky. Ça m'énerve. Tricky et. C'est comme ça que. Au bout d'un moment, bah, il. Il respecte plus nos ordres. Ah, j'ai du mal à parler. Quand on va balancer la bombe. Non, finalement c'est plus facile que le col de la lune. Finalement c'est pas si relou que ça. Je m'attendais à pire. Bon, bien sûr là c'est la dernière partie. Ça se trouve c'est la dernière partie qui va nous faire perdre une heure. Sûr, faut attendre patiemment. Vas-y. Mon dieu, oui c'est ça en plus. Ça a duré une heure. Ça a duré une heure, c'est super.
Donc alors les deux premiers paliers là sont faciles, mais c'est après, c'est ça se corse. Le dernier là, enfin, ce qui me semble être le dernier, en espérant que ce soit le dernier. Chucky est ici. Bon, déjà il s'assoit à côté, mais c'est pas grave. Ça marche quand même. Ah purée, j'ai du mal. Ah bon, c'est très bien parti. Hein. J'ai du mal à viser. La visée est très étrange. Hein, parce que par exemple, quand on fait stick vers le gauche et qu'on le relâche, ça fait ça. Ah, c'est comme si on était attiré au milieu. Ah, chaque fois, ça se remet au milieu. Faut bien doser le stick en fait. C'est là qu'on se rend compte que. Bah, que la visée, c'est pas ça. C'est très technique. Ah merde, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais non! Mais Tricky, il est complètement con! C'est pas possible! Voilà, ce fail. Ah oui, bien sûr, hein, je suis allé à peu plus de 40 mètres et c'est bon. C'est super! Ah, il comprend pas le mot assis. Assis jusqu'au bout, Tricky. Sleepy. A réussi. Non, attends. Il faut que j'attende. Voilà. Ah, il est vraiment pénible, hein, ce petit Tricky. Hein. Il respecte plus à mes ordres quand il voit que je me barre un peu trop loin de lui. C'est une petite racaille. Hein. Ou c'est peut-être parce qu'il a peur d'être seul. Surtout ça. Bah, on va ici. Fais gaffe au jet de flamme, on attend patiemment, comme d'hab. Faut être très patient. Donc maintenant, dernier palier. Là, il faut que je réussisse. C'est de ce côté, comme ça. Je pense que là, ça va être bon. Mais putain, mais c'est pas vrai, c'est impossible en fait. Ah, ou alors, faut pas le faire de là, faut. Faut d'abord le balancer ici et le pousser en fait. Ah oui, ouais. Je crois que j'ai compris le délire. Donc voilà, c'est. C'est surtout ça qui est relou en fait. Je craignais ce passage. Hein. Dans ce donjon, je craignais beaucoup ce passage. Un passage bien relou. Faut déjà que notre pote Tricky là, il vienne là, au lieu de ronfler. Allez, grouille! En plus, il y a un ennemi qui vient de popper. Hein. C'est super. Purée! Bon, là, ça va être chaud. Ah! De toute façon, je m'en fous de la mana que je perds. Hein. Puisque là, il y a une boule jaune de mana qui se régénère à chaque fois. Donc, je suis tranquille. Un petit diamant. Un diamant jaune de mana. Purée, qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? C'est pas possible! Cette bombe de merde qui veut pas aller en face. Voilà. Voilà, c'est. Le point faible de ce Star Fox, c'est la physique. Alors, on va passer par là. Oh purée, j'ai failli l'exploser la bombe. On va par là sans. Trop la connie, bien sûr. Faire gaffe, hein, on sait jamais. Et voilà, c'est good. On aurait pu rester longtemps hein, si j'avais pas trouvé cette petite astuce. Hein. Voilà. Maintenant que ça est pété, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut activer ça. Ah ok, c'est encore une petite énigme. En fait, c'est ce qu'on a fait avec Tricky là avant. Eh ben, faut déjà que je descende pour que Tricky vienne vers moi. Parce que Tricky est paumé hein, sans moi. Ouais, on va le faire cracher des flammes au pif. Ça se trouve, ça a marché. Attends, c'était complètement dessus là, je comprends pas. Bon, on va recommencer.
Voilà, c'est bon. Ah, voilà. Look out! Are you okay? I'm fine. Thanks for helping me out. Hey, aren't you a friend of Crystal? How do you know Crystal? I helped her get onto General Scale's galleon. But after I left, I was captured by the Shark Claws, and I've been stuck here ever since. Why don't you climb aboard? I need to stretch my wings. La fameuse phase que mon père n'a jamais réussi. Et que moi j'ai réussi, bien sûr. The spellstone you seek is hidden below the Great Tower. To get inside, you will have to destroy the four spires that protect it. I will fly you in close, but you'll have to protect me from their fire. C'est la, là, c'était la fameuse phrase que je voyais à chaque fois. Je connais par cœur. Esquiver les flammes dangereuses. Donc voilà, donc c'est une phase pas facile. Hein. Ça va être un peu ardu. Donc, je pense que je peux m'en tirer si je fais pas n'importe quoi. Là faut tirer comme un gros baltringue. Ah putain. Le problème c'est que voilà, faut vraiment tirer comme un gros fou pour détruire le truc. C'est un sac à HP ce machin. D'accord, je me suis déjà fait toucher. Et détruit, oui. Bon, on en a détruit 1 sur 4. C'est déjà bien. Mince. C'est la concentration. Voilà, là. Oh purée, mais le dernier, il était impossible. Concentration de fou. Je crois que ça va être une phase relou finalement. J'avais pas non plus réussi du premier coup, mais j'ai réussi à, je sais pas, au bout du deuxième coup, troisième coup, je sais plus. C'est vraiment une phase. Elle semblait dure en regardant comme ça mon père jouer. Quand je le voyais jouer, elle me semblait super dure cette phase. Finalement, elle est pas si dure que ça. Parce que vous voyez quand même que le Cloud Runner, il a pas mal de vie. Hein. Bon, bien sûr, il est un peu bête, hein, par contre, hein, parce que comme vous pouvez le voir, il s'est pas retourné pour aller voir l'autre truc hein, qu'on n'a pas encore détruit. Il revient sur celui-là qu'on a déjà détruit. Un peu bébête. Hein. Ça nous demande encore une fois de se faire les autres vaisseaux. Bon, là, je suis en train de défoncer mon poignet. Hein, pour la petite info. Allez, il est détruit, oui, c'est détruit. Bon, voilà, là je réussis. Là c'est obligé que je réussisse, parce que toute la vie qui me reste, il n'en reste plus qu'un. Sauf si bien sûr je le loupe. It's all up to you now. The spellstone is inside, but Scales has it guarded by a terrible creature. You must be careful, Fox. Il est suicidaire. Carrément contre un, je sais pas ce que c'est, purée. Et là en fait la particularité de ce boss c'est qu'on avance et c'est de la même façon on tire avec la Gatling, et la Gatling est mise en valeur hein, dans cet épisode. Ça fait plaisir de la Gatling. Ça je sais pas ce que c'est, ça doit être des vies. Des fois ils nous donnent de la vie. Ouais, c'est pas un boss difficile hein, par contre. Je le dis direct. Ça va être plus facile que la phase qu'on a faite avant, je pense. Plus long mais plus facile. En fait, c'est une épreuve d'endurance en fait, ce donjon. C'est. À chaque fois on appuie comme un taré sur le bouton A. On peut
faire Y aussi. Ah non, même pas. De toute façon, ce sera pas pratique avec Y. Donc voilà, vous avez vu, il y avait un anneau argenté. J'ai délivré. Et voilà, quand, des fois, on peut regagner de la vie. À ce niveau-là, les développeurs sont assez sympas. Mais où est-il ? Bien sûr, je ne dirige pas la plateforme. Il faut faire gaffe à ces trucs-là. Concentration. Cette phase ne vous fait pas penser à une phase dans Rayman 3. Si vous vous souvenez bien, quand j'ai fait une vidéo test, je vous l'avais montré, cette phase. Avec le boss final, d'ailleurs, aussi. On appuie aussi comme un gros taré, hein, comme ça. Et j'appuie tellement vite, vous avez vu. La Gatling, là, il n'en peut plus, hein. Ça va tellement vite. Voilà, c'est le début avec les interrupteurs. Attention. L'anneau. L'anneau qui nous donne, je crois, un demi-cœur. Bon, c'est pas non plus tant que ça. Bon, là, il me reste encore beaucoup de cœur. Et lui, il reste que la moitié de sa vie, donc il est un peu dans la merde. Oula. Oula, je comprends plus rien. Mayday, mayday. Alors, on le bourrine. Ah, il aime ça, la Gatling. Hein. Ça se voit. Voilà, il est mort. Vous avez vu, c'est une phase longue, mais pas difficile non plus. Si vous détestez appuyer comme un gros taré plein de fois sur le bouton A, ce sera peut-être dur. Hein. Je sais pas. Ou si vous aimez pas aussi ce système de visée. Bon là, je fais exprès de pas tirer sur les boules bleues, on va aller plus vite. Hein. Parce que franchement, il me reste encore plein de vie. Spellstone! Not bad! Not bad at all! Get that spellstone back to the Ocean Force Point, and we can all be on our way home. There's an old friend we would all like to see. Okay, guys, I'm out of here. See you later. Thanks again, Fox! Good luck, my friend. Ah, il s'est fait des nouveaux potes. Donc voilà, nous avons réussi ce donjon, ce fameux donjon de psychopathe. Qui est finalement pas si psychopathe que ça parce que je suis trop fort. Alors, on va revenir et redéposer la pierre mana. Et bien sûr, on aura affaire aussi au jingle de la victoire, à la musique épique de la pierre destructrice, de la pierre ultime, la pierre mana. Alors, je pense qu'on va réussir cette phase là, hein, que vous avez déjà vu pas mal de fois. Ça peut être frustrant, ça peut être pénible de la revoir à chaque fois, mais on est obligé de la refaire à chaque fois, hein. C'est ça qui est dommage. Ils auraient pu faire en sorte qu'on ne la refasse pas après, par la suite, en revenant au même endroit, mais c'est trop dur pour les développeurs, je sais pas. Attends, Miyamoto, il voulait absolument faire mettre des faces comme ça, hein, pour faire un clin d'œil de la Star Fox 64, là, enfin, et à Star Wing sur Super NES, bien sûr. Donc voilà, quelques petites phases ratées quoi. C'est le seul truc raté du jeu, hein, franchement. Peut-être aussi si les épreuves Krasoa aussi. Hein. Bon. Ils sont pas trop durs, il y en a juste deux qui sont intéressants. L'épreuve de la peur et la dernière épreuve qu'on va faire. Surtout ça.
Donc voilà, on descend de notre beau vaisseau. Et normalement, notre objectif, c'est d'aller déposer la pierre, voilà. À Cap Claw. Ah oui, c'est à Cap Claw. Et nous allons vers Cap Claw, bah c'est parfait. C'est parfait, c'est par là. Hein. J'avais un petit trou de mémoire, donc j'ai quand même regardé l'écriteau. Hein. On a un petit trou de mémoire. Donc vous avez vu encore une fois, Oliver Plasma a réussi avec brio ce donjon, qui est pourtant assez long, parce que nous sommes déjà à une heure de vidéo. Bon, ça va pas être une vidéo non plus extrêmement longue comme celle d'avant, je pense. Parce que je voudrais quand même que la dernière vidéo, parce que là je sens qu'on est quand même, on se rapproche de la fin, je voudrais que la dernière vidéo fasse pas que 20 minutes. Hein. Ce serait peut-être bien. Je sais pas. Donc genre on continue peut-être 10-20 minutes, hein. Enfin le temps de prendre enfin de déposer, je veux dire plutôt, la pierre mana. Voilà, on fait des roulades, c'est toujours aussi beau et fluide. Ce qu'on voit jamais dans un Assassin's Creed sur Wii U, PS3 ou 360. Ah. Ok, donc je pense qu'il faut faire ce qu'il a fait. Hein. Ça se trouve, on va les revoir, nos potes Lightfoot. Allez, village Lightfoot. Il faut monter par là, ici. C'était une réunion, hein, une réunion incroyable entre Lightfoot, attention. Réunion des hommes de caverne, là c'est pas des hommes de caverne, là à la place c'est les dinosaures de caverne. Non, en fait ça servit à rien je crois. Peut-être monter par là. En fait, ouais, je pense que ça servait à rien parce que faut aller à Cap Claw. Mais bon, par petite curiosité, on y va. Hein. On y va de bon cœur. Il n'y a rien par ici à part les pierres magiques, là. Les boules de carburant. Et en plus de ça, bah, je sais pas comment les avoir. Ok, alors on va revoir leur chef, hein, Lightfoot. Ah, c'est nouveau ça. Ah, faut trouver ses bébés. Ils adorent grimper aux arbres, il faut trouver 3 bébés. Ok. Aux arbres. Ça peut pas trop être par ici, alors ça doit être par là-bas. Donc en fait, je crois que c'était celui qu'on a vu juste avant, là, voilà. Qui était... qui nous a indiqué comment ouvrir la porte. Du village Lightfoot. Donc on va trouver ses bébés, allez. On va trouver ses bébés. Un objectif en plus. Là, je sais pas pourquoi je peux pas utiliser la fusée. Très étrange. Oula. Un petit freeze. Ça fait toujours plaisir. Genre, ils doivent être par là, quoi. Là, déjà, je crois qu'il y a un truc là-bas. Ah non, c'est la one-up. Super. Si ça se trouve, c'est une phase qu'on aura plus tard. Ah bah non, c'est pas ça, c'est bon. Il y en a un là, faut peut-être tirer dessus. Hein.
Ah non, faut l'aider, faut tuer les ennemis. Ah, ça doit être ça, puisque les ennemis les attendent en dessous. Ah non, c'est pas ça. Fallait taper dessus. Mais bon, je vais me faire quand même cet ennemi. Un coup de Gatling Fire, non, même pas. Bon, c'est encore... c'est une espèce de quête annexe en fait, je sais pas si on est obligé de la faire. J'avais dit qu'il y avait pas de quête annexe, bah finalement, attention, il y en a une. Trouver des bébés Lightfoot. C'est une quête annexe incroyable. Ça non. On tape sur tous les arbres. Voilà, on a trouvé ces trois bébés Lightfoot. Plus qu'à retourner. On n'a plus qu'à retourner voir leur papa là. D'accord, c'est fermé. Faut retaper le truc. Ici. Ouais. Je me souvenais en plus de cette cutscene. Et j'avais vu que cette cutscene là où on voyait le Lightfoot là ouvrir les portes et la porte là. Je crois que c'était. C'était un peu avant, enfin que c'était à 50% quoi quand on allait rencontrer Lightfoot. Mais non, en fait, c'est bien après. Voilà. J'avais un petit trou de mémoire. Donc on va monter. Chucky commence à avoir faim, comme vous pouvez le voir. Merci d'avoir sauvé mes bébés. Voici votre récompense. Ça me sauve la vie! Bon, ben voilà, nous avons découvert comment avoir ces boules de carburant. Voilà, je n'en avais aucune idée. Voilà, fallait juste sauver, trouver ces trois bébés. Les ramener sains et saufs à la maison. Voilà. Finalement, c'est pas. J'avais cru que c'était. J'ai eu un espèce d'interrupteur pour ouvrir la porte, et ben non. On va dire, il y avait une quête annexe. C'est la première quête annexe qu'on a vue. Et ça va peut-être être la dernière. Il n'y en a pas tant que ça. Allez, on va sprinter, faire des roulades. Pour pouvoir déposer la pierre en mana. La pierre magique, la pierre destructrice. Bien sûr, ça peut paraître con de faire des roulades, mais je sais pas, je sens qu'il va plus vite. Je sens qu'il va plus vite. Attention, purée, je me fais toucher et je prends des dégâts juste par une pierre verte de merde. La pierre mana. Il me restaure que dalle. Ouais, attendez, en fait, en parlant de magie, je veux dire, on a encore une upgrade de la Gatling, hein. Je sais pas où elle est, mais bon, on verra. Ça se trouve, je la trouverai pas, mais bon. Tant pis, je me débrouille tellement bien que j'ai pas besoin d'une upgrade, hein. Parce que si ça se trouve, l'upgrade en fait elle est ici tout en bas. Bon, faudra regarder ce qu'il y a en bas. Enfin, non, je pense qu'on était déjà allé, on s'était perdu à un moment. J'ai un peu la flemme. Et je pense que la prochaine épreuve Krazoa, on la fera dans la prochaine partie quoi. Ou alors je continue si je suis motivé. En fait j'en sais rien. Même si en même temps je me dis je se rapproche quand même pas mal de la fin là. Donc c'est la dernière partie, elle fait que ouais 20-30 minutes. Ce sera un peu différent de 1h30. Hein.
je comprends ça. Ok, on va. Ah, déjà, j'avais pas déjà déverrouillé la porte là-bas. Je crois que je l'avais pas fait. Ou alors si, ou alors non. Ou alors je sais plus. On y va quand même. Si on voit la porte, ça veut dire que je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Alors, à quoi ça va servir? Faut déjà que je trouve. Ah, avec la petite musique très chelou. Ouais, c'est pour utiliser le canon, mais à quoi ça sert en fait? Ah, c'est pour tirer sur ça. Mais oui, bien sûr, purée, mais. Sans savoir, en fait, j'ai fait quelque chose de magnifique. J'ai anticipé quand même une énigme. Ça, c'est pas rien. Voilà, ça, c'est parfait. Maintenant, on en a plus besoin. Si, on en a besoin pour tirer sur notre pote. On va voir sa réaction. J'ai un peu tiré loin. C'est trop con. Il a une animation, mais bravo! Bravissimo! Une animation de ouf! Voilà, attends. Je vais lui donner à bouffer, là. C'est où les champignons? C'est qu'à chaque fois, je me perds. Tricky, tu veux pas manger de champignons? Pourtant, je vois que ton bide. J'entends que ton bide gargouille. Ah, peut-être que là, il va vouloir. Qui stressait, il y avait un ennemi. Voilà, on va se les faire, les champignons. Et voilà, on se refait un stock de champignons. Avec Tricky qui a le ventre plein. C'est parfait, ça. Ouais, je fais vraiment gaffe à mon familier. C'est mon animal de compagnie virtuel. Little Dogs. C'est tout à fait ça. Le jeu inutile. Ainsi, enfin, si on préfère avoir un chien virtuel plutôt qu'un chien dans la réalité. Hein. Donc voilà, nous nous retrouvons encore dans cette magnifique place. On va monter, on s'en fout des mobs. Vous vous souvenez, si vous vous souvenez bien, je crois que c'était dans la partie juste d'avant. Attends, vous avez déposé la pierre mana, oui, c'était la partie juste d'avant aussi. L'extension, la partie extension. La partie Jurassic Park. Il y a le gros T-Rex, hein, ça fait forcément référence à Jurassic Park. Ou alors à King Kong. Mais bon, moi, ça me fait plus penser à Jurassic Park. Pierre Mana, où elle est? Vous avez vu quand même, la Pierre Mana a plusieurs thèmes. Ouais. Et le meilleur thème reste la musique épique. Hein. Epic music. C'est véritablement ça, non? Et donc voilà, on va refaire ces énigmes-là. Avec, bien sûr, une difficulté accrue. C'est plus dur. Il y en a plus à retenir. Mais je pense que notre pote Tricky peut rester ici. Et on peut voir au loin, en fait. Sauf s'il se barre comme un con, mais je pense pas qu'il va se barrer. J'espère que non. Et pourquoi c'est pas là? Ah, donc c'est de l'autre côté. Oh purée. A chaque fois que je me plante de côté, c'est assez monumental. En fait, le côté gauche là, faut croire en fait que on le tourne complètement. Et si on le positionne là-dessus, sur cette surface. Voilà, bah c'est. En fait, c'est de l'autre côté quoi. Voilà, c'est un miroir. Là, eh ben, on se déplace ici. Voilà, c'est parfait. Et en fait, il n'y avait pas besoin d'avoir une mémoire comme avant.
je l'avais fait avant. Il fallait juste placer Twiki ici, j'y avais même pas pensé. Voilà, maintenant nous sommes à la deuxième partie. Twiki ne se barre pas assez bien. Pas comme dans l'ancien pas comme dans le donjon juste avant. Alors attends, là, c'est ici si je crois. Ouf, c'est ici. Mince, il y a Twiki qui... On voit plus le symbole stay là. Le symbole où il reste ici. Ça me fait stresser. Ça veut dire qu'il va se barrer. Alors là, c'est de ce côté-là. Oui. À chaque fois, même si on est sûr, à chaque fois on croit qu'on va se faire électrocuter. Le stress m'envahit. J'arrive pas à tourner la caméra, c'est magnifique. Voilà. Ok, bah c'est ici. Hein. Puis après ici. Non mais quel talent! Bon, on va se faire cet ennemi vite fait. Hein. Ils sont un peu plus costauds que les autres, mais bon. C'est quand même vite fait. Un peu plus costaud, en fait ils ont le même nombre de vies. Parce qu'on fait deux combos et c'est bon, ils sont plus là. Voilà, encore la magie de la porte. Ok, c'est pour pouvoir aller au labyrinthe, ce qui sert strictement à rien. J'ai rien compris en fait au labyrinthe. J'ai essayé en voix off ce que c'était le labyrinthe. Enfin, les jetons de code là pour le labyrinthe. Bon, je vais quand même acheter puisqu'il n'y a plus que ça à acheter de toute façon. Mais ce qui paraît, ça débloque un code, mais je sais pas ce que c'est. Ça met code débloqué. Ok, oui, mais code. Code de quoi? Un code de triche? Le code de la route. Enfin, je pense pas que ce soit ça. Hein. Ah ok. Bon, il y a encore l'énigme avec la flamme. Là, on sait qu'il faut aller à gauche. Ce qui est dommage, c'est qu'on on repasse deux fois quoi dans ces endroits-là. Quoi. C'est un peu dommage, j'aurais dû faire à chaque fois un autre lieu. À chaque pierre mana, hein, je sais pas. Ça aurait été plus cool. Bien. Mais bon, c'est... ils ont pensé aux gens qui ont une courte mémoire et qui arrivés ici, ils se disent « Waouh, mais c'est nouveau !» alors qu'il a déjà vu cet endroit. Chérie. Alors ceux qui mettent 2 ans à finir Star Fox, ils font des très longues pauses. Faire continuer sur du Call of Duty à 2 balles. Ouais. Oui, c'est là que j'avais parlé de funambule. Et en fait, ils étaient tous déjà activés, donc en fait, je comprends pas. Non, je ne comprends point. C'est-à-dire qu'il faut pas aller ici. Et sans doute un autre passage là-bas. C'est du même style, peut-être. Parce que là, la porte est fermée. Ah, et là, c'est bon, c'est ouvert. Twiki, tu sais pas comment, il avance super vite d'un coup. Et voilà, est-ce qu'on peut se téléporter direct? Bien sûr. Pas besoin de faire l'énigme encore à 2 balles. Celle où il faut tirer... un coup de Gatling sur une flamme verte pour pouvoir débloquer voilà le téléporteur. Et donc voilà, là si vous vous souvenez bien aussi, il y avait pas mal de petites épreuves, mais finalement ça va être une partie assez longue, 1h19, ça commence à faire mal. Bien sûr, à chaque fois qu'on revient, et ben c'est plus dur. C'est un peu plus dur. Un peu plus corsé. Purée. Un petit ennemi en plus. Hein.
pop devant nous comme ça, tranquille. Il est un peu plus costaud. Il fallait pas faire deux combos, mais trois. C'est incroyable. C'est là qu'on se rend compte quand même que c'est complètement différent là, parce qu'on a déjà le bloc. Je sais pas où faut le placer réellement, faut le faire tomber. Non. On ne peut pas le faire tomber. Ah, fait juste le placer là, ok. Ok, on a ouvert la porte et c'est tout. Ah, finalement, en fait, c'est plus facile qu'avant. L'énigme était plus simple qu'avant. Bon, allez, on... Ah non, quoique, non, finalement, non. C'est un poil différent. Saute. On fait monter l'eau, je parie. Et voilà, et on va se faire toucher, bien sûr. On est un peu obligé de se faire toucher. Je me suis tellement bien. Gatling Fire aux commandes. Car ça ne fait rien du tout. Gatling Fire, c'est pas très efficace quand il y a un mec qui a un bouclier. Ou un charclo. Ah, ok. Ah, et le gros problème de ce Star Fox aussi. Je sais pas si je vous en ai parlé, peut-être dans la première partie, je sais plus. C'est la répétitivité des combats. Parce que on n'a pas beaucoup de combos, hein. On peut faire que ça, ça, une attaque vers le haut là. Et puis c'est tout. Après, aussi on peut faire en arrière, là c'est la classe. On peut faire le Gatling Fire. Ah, il a rien compris à sa vie. On peut faire la Gatling Glacial. Mais voilà, sinon en termes de combat, en termes de combo là, de ça, et ben, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y a que trois combos différents quand on attaque juste comme ça. Il y a soit le combo juste A, il y a soit le combo bah, A et derrière c'est celui qui a le plus de classe. Hein. Et soit le combo, soit un autre combo aussi encore où il donne des coups de pied. Ouais. Celui où il donne des coups de pied, je crois, ouais, c'est juste en appuyant sur A. Ouais, pas beaucoup de combos. C'est, on va dire que c'est beaucoup plus jouissif dans un Zelda. Purée. Allez, vas-y, crash, crash. Il met trois plombes. Ouais, c'est bon. Donc oui, la particularité cette fois-ci de cette épreuve, c'est que ils ont des couleurs différentes, spécifiques. Il faut les toucher bah, la bonne couleur, enfin vous avez compris hein. Ce genre de choses c'est dur à expliquer mais c'est facile à comprendre. Ok, la couleur rouge elle est là-bas. Je me plante. Enfin, je suis pas assez rapide. Vite la Gatling Fire. Allez vas-y, crash. Mais crash. C'est pas possible, il s'est déjà enfui. Faut être persévérant. Allez, crash. Oui. Victory is mine. Enfin, faut pas déjà le dire. Voilà, c'est bon. Non, c'est pas bon. C'est pas possible. Bon, encore heureusement, on a quand même pas mal de time. Purée, il va vite, hein. Il va trop vite. Bon, là, quand il va s'arrêter, ici, il va s'arrêter. Là, il faut que je crache. Putain, c'est pas bon. C'est pas possible. La flamme rouge, là, elle va me faire péter un câble. Mais pas qu'un peu. Allez, vas-y. Là, je l'ai fait très très tôt. Voilà, c'est bon. Fallait le faire beaucoup plus tôt. Donc là on va se faire la flamme jaune. D'accord, complètement derrière. Il nous reste 48 secondes. Ça va être terrible. Bon, allez. Là j'ai pris de l'avance, là c'est bon. Oh purée cette vitesse. Il fallait encore plus prendre de l'avance.
Allez, vas-y. Là, j'ai fait le mieux que je peux, là. Je peux pas faire plus rapide. Mais purée, mais... En fait, faut attendre qu'il fasse son tour en entier, parce que là, en fait, là, le truc, il est en train de se remettre. Le crasoa. Bon, là, ça va être le dernier coup. Purée. Vite! Allez, bon, je l'ai fait trop tôt, je crois. Oh, je l'ai fait trop tôt, c'est pas possible! C'est pas possible, il faut recommencer! Et j'ai plus de mana, c'est super. Ouais, ça c'est chiant. Cette épreuve, elle est vraiment pénible. C'est casse-pied. C'est casse-bonbon. Nous sommes à 1h26. Concentration. Bon alors là, j'ai pas le droit à l'erreur. Là, on va essayer d'abord d'avoir le jaune là qui va arriver. Allez, vas-y, crache de l'eau. Bon, en attendant, on va y aller parce que je sens que je vais l'avoir de toute façon. Bon, là je vais sans doute eu. Ouais, j'ai pas entendu le petit bruit, mais je l'ai pas eu. Ah non, si c'est bon. J'ai pas entendu le petit bruit, c'est pour ça que j'étais presque persuadé de pas l'avoir eu. Ah oui, non, c'est là où il va déjà assez vite. D'accord, là c'est complètement loupé. Allez, vas-y. Et vas-y toi. Là j'ai bien anticipé. Mais c'est parfait. Voilà, on a fait l'épreuve la plus compliquée de la vidéo. On va d'abord se faire ce truc qui ressemble à rien. La pieuvre. Si ça ressemble à une pieuvre, mais... Bon, une pieuvre maléfique. Alors... Okay. Je crois que je me suis déjà viandé. Hein. C'est pas je crois, c'est une certitude. Donc on recommence. Mais on faut peut-être le pousser ici. Vers ceci. Enfin, il a déjà repopé. C'est pas possible, c'est un dieu. Le dieu divin des pieuvres, là. Il repop au bout de 2 secondes. Un coup ici, il y a une ligne du même style dans Twilight Princess, sauf que c'est vraiment casse-tête, hein. Là c'est facile. Dans Twilight Princess, d'ailleurs je ferai bien sûr les donjons de Twilight Princess, hein. Bien sûr, c'est le point fort de ce Zelda, c'est le meilleur Zelda sur les donjons, mais bien sûr c'est, je classe soit 11e, soit 12e, j'hésite avec ma rencard de bedage, mais je crois, non, je le classe 11e de mes jeux de Gamecube. Parce que le problème dans ce The Legend of Zelda, pourtant je suis un fan de Zelda, mais le problème dans celui-là, c'est que les phases loup-garou c'est chiant, et également, on s'ennuie assez souvent quand il n'y a pas de donjon en fait sous la main. Ouais. Je pense que j'en ai déjà parlé, peut-être. Je sais pas, j'en ai peut-être déjà parlé avant. Voilà, pour moi c'est ça. Et en fait, il faut pas que j'aille là. Bon, pour moi, ça aurait pu être le meilleur Zelda si l'aventure n'était pas aussi chiante. Parce que les donjons, ils sont extra. Ils sont vraiment, c'est les meilleurs donjons que j'ai jamais vus dans Zelda. C'est... Quand tu les compares au donjon pitoyable de Skyward Sword, c'est sûr. Voilà. Mais moi j'ai la version Wii, mais pour moi ça reste quand même un jeu de Gamecube, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans le top 10 Wii. Et s'il était dans le top 10 Wii, c'était franchement seulement un jeu de Wii, je l'aurais mis quand même
Ah purée, j'ai plus de mana. Super. Franchement, je l'aurais mis au-dessus de... je pense au-dessus de Mario Galaxy, donc voilà. Mario Galaxy, j'avais mis 4ème, donc voilà. Et même au-dessus de Donkey Kong, peut-être. Même au-dessus de Donkey Kong aussi. Donc voilà. Comme quoi, c'est un très 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 bon jeu quand même. J'aurais mis 3ème, voilà. Juste en dessous de Super Smash Bros. Brawl. Bien sûr, pour moi, c'est pas un jeu de Wii, même si j'ai la version Wii. C'est avant toute chose un jeu de GameCube. Parce que si je fais un top de tous mes jeux, je pense que déjà le Wind Waker, il sera déjà bien placé hein, quand même. Non, si je, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que les jeux de GameCube, il y en a tellement que j'ai adoré, qu'en fait c'est compliqué de faire un top 10. Enfin, c'est compliqué. Puis, les jeux de Wii, bah, j'ai moins réfléchi. Je sais plus ce que j'apprécie le plus et ce que j'apprécie le moins. Voilà. Parce que les jeux de GameCube, ils sont tous cultes. Enfin, il y en a tellement qui sont cultes que sur Wii, par contre, il y en a un peu moins. On va dire que c'est un peu plus calme, hein, comme sur Wii U d'ailleurs. Donc je vais déposer la pierre mana et vous faire écouter ce thème grandiose. Spellstones. There must be more to it, Fox. Since you left Walled City, I've been studying your mission, and I've noticed there's something hidden at the top of that huge temple. It looks like a Krazoa shrine entrance. Oh yeah, I could have told you that. Oh, come on. Let's get back to the hollow. La musique épique. Dans son authenticité, c'est magnifique. La musique épique, c'est incroyable, c'est beautiful. La style d'Oliver Plasma est incroyable, tellement incroyable que je me suis viandé. Donc voilà, musique épique, dernière fois que vous allez entendre ce magnifique chant. Parce que c'était la dernière pierre mana. Donc qu'est-ce qu'on fait? On continue? Bon, on va peut-être aller jusqu'à la vallée, hein, mais puis après on va s'arrêter. Hein. D'accord. Il dit regarde la carte de Pépi, mais là je peux pas parce que là je suis dans une espèce de zone de chargement. Là, il va y avoir un petit freeze hein, pendant une seconde. Attention. Voilà, petit freeze. Ah, gros freeze. Non, c'est pas. Ouais, ouais, faut retourner à la Valley Turntile. Et je pense qu'il faut retourner ensuite au Palais Krazoa. Je pense que c'est ça. Si je dis pas de conneries. Et donc voilà. Et ça va être là la fin surtout. Parce que là, franchement, on se rapproche de la fin. J'avais prévu de faire peut-être 10 parties pour Star Fox. Finalement, ça s'est mieux passé que prévu. Ou c'est peut-être aussi que j'ai fait bien sûr 1h30 de vidéo la plupart du temps, donc voilà. C'est un peu logique qu'il n'y ait pas beaucoup de parties. Mais bon, moi je suis comme ça, je préfère faire des parties très longues. Parce que bon, faire des parties de 10 minutes et au bout d'un moment tu te retrouves avec partie 62 du Let's Play Final Fantasy.
Surtout si c'est Final Fantasy, tu vois. Déjà, rien que de faire des parties d'une heure trente, déjà, tu seras rendu à 30 parties. Donc voilà. Il y en a, ils font des parties de 10 minutes pour un jeu en plus qui est hyper long. C'est... Déjà, que ça soit bien clair, moi je ferais jamais un jeu RPG en let's play. Hein. Jamais. Même sauf bien sûr, par exception, grande exception, c'est Mario et Luigi. Parce qu'il y a pas mal de choses à montrer et c'est des jeux vraiment fun à faire en let's play. Hein. Sinon, Baton Kaitos par exemple. Pourtant, c'est mon jeu préféré. Avec Tales of Symphonia. C'est mes deux jeux préférés. Celui que j'ai vraiment préféré, je pense, c'est peut-être Baton Kaitos. Même si pourtant je l'ai mis deuxième dans le top 10 des jeux de GameCube, mais c'est surtout par sa durée de vie qui est on va dire un peu moins bonne. Voilà, c'est 60 heures de jeu à peu près la première fois. Baton Kaitos, vous imaginez ça en let's play déjà? Nous sommes pas rendus à la partie 70. Ouais, mais... Et sinon, Tales of Symphonia, c'est deux fois plus long, c'est... Même en plus, t'as les quêtes annexes, donc 140 heures, un truc comme ça, c'est un truc de fou, Tales of Symphonia, il m'a bluffé là-dessus, hein. Au niveau de sa durée de vie de fou. On va pas aller par là. C'est vraiment que j'hésite entre ces deux jeux-là, franchement. Pour moi, ils sont du même niveau. C'est juste... Tales of Symphonia, il gagne juste... pour son pour sa durée de vie. Sinon je les mettrais premier ex-aequo, hein. Baton Kaitos et Tales of Symphonia. Fox, something is not right. The walled city has not yet returned to the planet. My husband is still stuck up there. You did return all of the spell stones. Of course, but wait. The spirits. They must have something to do with it. You're right. Without all the spirits, the magic cannot be channeled back into the planet. Your boss said to return to the walled city. There must be a shrine we've yet to find. Ah, c'est-à-dire qu'il faut retourner là où il y avait le père de Tricky. Ou c'est peut-être surtout parce que Tricky veut revoir son père. Je pense que c'est ça. Bon. Moi, tous les vortex là, attention. Ah non, il y en a que deux. Il y en a que two. Ils sont tous en train de dormir. Ce qui est marrant, c'est que... Ils dorment comme un chat. Je sais pas si les dinosaures, les herbivores, ils dormaient comme des chats. Je sais pas. C'est la petite question. La petite question de cet épisode. Et aussi la conclusion. Parce que je pense... que nous allons conclure. Parce que là, ça fait déjà 1h38. 1h38 quand même, c'est pas rien. Donc voilà, c'est la fin de cette partie 7, et je pense que la partie 8, ça sera la dernière. Donc sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures, et pour, je pense, la dernière partie de ce jeu culte.